Alingwata vitinya chuche matperi goza kya juma kobra. Alingwata vitinya chuche matperi. Je suis très émue aujourd'hui car je veux me marier. Blaise Mutombo m'a honorée. Notre histoire en fait a commencé il y a bientôt 4 ans. On se connaissait, on se passait, on se disait bonjour et tout, on se croisait. Carline, donc on a commencé, ça fait à peu près 4 ans, et voilà, on a commencé comme tous les jeunes, quoi. On se voyait, donc on se croisait, on se disait bonjour, jusqu'au jour où on a eu la chance de pouvoir s'échanger nos Facebook, on a parlé sur Facebook et tout ça. Et... On a commencé à se voir, on a commencé à se connaître. Et donc là, maintenant, ça fait 4 ans. Et donc en 2013, on a fait les présentations. Donc tout ce qui est demande de mariage, fiançailles avec la famille. Ça se faisait presque tous les jours, il me disait. Quand, à chaque fois qu'on sortait ensemble, il me disait « t'es trop belle, tu es une femme à épouser ». À chaque fois que je le savais à manger, il me disait « ah, ma femme, tu sais trop bien préparer, je dois t'honorer, je dois t'épouser ». Du coup, ça se fait comme ça. Donc c'est par là que je lui ai demandé, que je lui ai expliqué que je voulais faire les choses sérieusement avec elle et que je voulais avancer voilà, quoi, dans le chemin qu'un homme doit faire, quoi. Donc voilà, en 2014, on a eu notre fille Blessing Mutombo, voilà, qui a maintenant 2 ans. Et puis, on est très heureux, malgré les hauts et les bas, mais voilà, on baisse pas les bras, on continue toujours à avancer. Car on s'est dit dans nos têtes que voilà, malgré les bas, faut toujours aller vers l'avant, quoi. Faut pas baisser les bras, et c'est ça qui fait la force de notre couple. Parce qu'on a vraiment eu des moments difficiles, mais Dieu a fait qu'au jour d'aujourd'hui, nous allons se marier donc le 2 juillet. Et puis tout va bien se passer parce qu'on a vraiment la famille derrière nous, les amis derrière nous. Et si je peux parler aussi de ma femme Arline, que voilà, je voulais la dire sincèrement que je suis vraiment fier d'elle. Fier de ce qu'elle fait. Je sais qu'elle a des défauts, mais elle a beaucoup de choses positives que j'aime en elle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, que, voilà, je lui ai demandé sa main, je lui ai demandé qu'on puisse continuer une relation en tant que femme et homme, et non pas en tant qu'ami ou copinage. Donc je suis vraiment très heureux de pouvoir, le 2 juillet, de la mettre la bague au doigt. Et puis de continuer dans le chemin de Dieu et avec elle, et faire notre vie et avancer, quoi. Et voilà, je suis vraiment très très content, très 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 content vraiment, et j'espère que tout se passera dans les bonnes conditions, quoi. Voilà, merci. Oh,
c'est avec grand plaisir que je suis devant tout le monde pour te remercier de ta sagesse, de ta maturité en tant que femme. Ouais, si j'ai fait ça, c'est vraiment pour ce que j'ai envie de me stabiliser. Ouais. J'ai envie d'avancer avec toi. Amen. Parce que je t'aime. Et c'est vraiment sincère. Et continue à avoir un grand cœur parce que vraiment, c'est magnifique. Quoi. D'avoir une femme comme toi, c'est magnifique. Voilà, je fais pas de blagues. C'est pour ça que je vais te mettre la bague au doigt. Voilà, merci pour tout. Et puis bah, voilà. Je t'aime, je t'aime. C'est tout. Je promets de se battre pour te rendre l'homme le plus heureux, car tu es le fruit de mes prières que Dieu m'a exaucé aujourd'hui. Je t'aime de tout mon cœur et je t'aimerai tout au long de ma vie. Je ne t'abandonnerai jamais, Blaise. Je ne te laisserai jamais. En 2014, tu m'as fait de moi une mère et aujourd'hui, tu fais de moi ta femme. Je te promets d'être fidèle, de t'aimer et d'être soumise. Sintunga, yeah. Sintunga, yeah. Franchement, aujourd'hui, je suis très émue, je dirais, mais parce qu'il a honoré ses paroles, ses engagements envers moi. En 2014, il a fait de moi une mère. Et aujourd'hui, en 2016, il me fait de moi sa femme. Je t'aime, Blaise. Je t'aime de tout mon cœur. Merci pour cette confiance. Merci de me choisir, moi, pour veiller à tes côtés. Juste un message pour toi, mon chéri, Blaise, le père de ma fille, Blessing Mutombo. Je t'ai dit aujourd'hui, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime comme je t'ai aimé le premier jour que je t'ai connu. Et je suis follement encore amoureuse de toi aujourd'hui, parce que tu m'as honorée aux yeux de mes parents, de ma famille, de la tienne. Et je t'ai promis un respect réciproque. Être une femme soumise et je t'ai promis de se battre pour notre relation jusqu'à la fin de nos jours et voilà, je t'aime. J'aime vraiment ma femme qui est vraiment très généreuse, qui a vraiment un grand cœur, vraiment un grand cœur envers tout le monde. Et moi c'est ça que j'aime en elle parce qu'elle est vraiment accueillante. Donc j'apprécie beaucoup et que vraiment en toute sincérité j'ai vraiment beaucoup d'estime pour elle et j'ai vraiment beaucoup d'admiration comparé à d'autres femmes qui ont son âge et qui font pas les choses en tant que mère, en tant que femme. Pour moi le mariage ce n'est pas que le 2 juillet, pour moi le mariage c'est toute la vie. Et je veux vraiment que je parle à la caméra, je veux vraiment que, même après le mariage, qu'on puisse vraiment bien s'entendre et que tout puisse bien se passer. Oh, my God.
Abunaga modaga, modaga, modaga.